reste plus. Si je monte sur la rambarde. Voilà, sur la rambarde, ça passe. Celle-là, d'étagère, est-ce qu'on la pose quelque part ou pas, finalement? Parce qu'elle est un petit peu grande. Je pourrais la mettre là. Hein. Là, sur le mur. Comme ça, c'est pas mal. Hein. Trop petite. Ouais, trop petite. Non, en vrai, c'est pas si moche que ça, quand même. En vrai, de vrai. Sûr, c'est pas si moche que ça. L'armoire, si. L'armoire. Mais je l'ai même pas touché, l'armoire. Elle est pas peinte. J'ai pas touché à l'armoire. Bah, l'armoire. Ou la. L'étagère, l'étagère qui est moche. Que l'armoire, c'est ça. D'ailleurs. Ah, ça nous permet de changer les vêtements de, de notre perso. On va se mettre comme ça. Voilà. Désolé. Ok, y a pas de souci. C'est l'étagère du coup qui est moche. Mais. J'essaye de faire de mon mieux. Mais je vous avoue que c'est pas forcément évident. C'est un style. Sinon, ouais, c'était un canapé que je voulais. Des feuilles et de la corde. Je veux un canapé dans ma chambre. Petit canapé d'angle. Avec une petite table comme ça. Et il me faut de l'argile encore. Mais non, mais pourquoi je descends? Il y a tous les scopes qui sont là. Avec une petite table. Ouais, parce que je voulais mettre la canapé dans cet angle-là. Ou alors j'inverse. Je mets plutôt le canapé ici. Et je bouge la cheminée. Est-ce qu'il passe mon canapé? Ouais, il passe totalement là mon canapé. Hop là, on met le canapé là. Avec la petite table. Ouf. Juste ici. On met la cheminée. Là dans le coin. Comme ça. Eh, c'est pas mal. Moi, c'est le violet qui me dérange. on va peut-être modifier, ne vous inquiétez pas. Rien n'est encore définitif. Rien n'est définitif pour le moment. J'ai encore l'inventaire qui est trop plein. Et en plus j'ai faim. Du coup on va manger ces petites patates. Dis-moi une patate. Trop flashy le violet. Ouais, je crois que c'est toutes les peintures qui sont un peu flashy, non? Ok, on a le rouge. C'est quoi maintenant un peu qui nous manque? C'est du blanc. Le blanc, ouais, le blanc, je l'utilise pas mal. Hop, on va refaire un peu de blanc. Voilà. C'est ça qui me manque aussi, c'est des guirlandes dans ma chambre. Ça fond, changerait tout les guirlandes. Comment ça, il n'y a plus de plastique? Non, mais alors là, vous me dites qu'il n'y a plus de plastique? Ça ne va pas. Plastique, il y en a de plus à voir qu'en faire. Mais pas me dire qu'il n'y a plus de plastique. Hey, coucou Alex, comment ça va?
Regardez, là on met une petite guirlande ici. Est-ce qu'on peut en mettre une aussi ici? On en met une deuxième là. Mec, une autre là. Une autre ici. Et une de chaque côté là ici. Hop! Il m'en reste une. Je le sais qu'il m'en reste une. Voilà, là ça se verra surtout la nuit, mais ça se verra bien. Après l'étagère, je sais pas quelle couleur on pourrait la faire. On peut la faire entièrement blanche. Ça manque de plantes. Ça manque de lumière aussi. Ferraille et verre pour faire celle-là. Ah! Bon, c'est une pierre, on s'en fout. Quoi? La déco, elle est très bien là du coup. La déco est pas mal, c'est plutôt la couleur le problème. c'est quoi qu'il me fallait du verre et de la ferraille? Le problème, il y a en plus des couleurs, de la peinture. Ah, je peux pas les mettre au plafond? Ça, c'est chiant. Bon, je peux la poser là, ici. Voilà, on peut l'accrocher comme ça. Je peux l'accrocher au mur, sinon... On peut la mettre là. Voilà, ça fait déjà un peu plus de lumière. Ouais, on y voit carrément mieux là d'un coup. Par contre, on va juste retirer celle-là. Je pense qu'on va poser plutôt comme ça. Dommage, il n'y a pas d'illustre. Bah, j'aurais bien voulu accrocher déjà les plaies, mais je peux pas les mettre au plafond. Ça m'embête. Ça aurait été bien pour déjà pouvoir les mettre au plafond, ces lumières-là. Et en plus, je vais pas arriver à mettre les plafonds là ici. Quoi que si je saute, ça passe. Ben voilà! On a fini le plafond. Bon, il y a encore tout l'extérieur là à faire, mais... Eh, mais ça progresse, hein! Ça progresse de ouf! Attention, parce que là, il y a un trou, hein. Ah non! Mais pourquoi il y en a un qui se met pas bien? Pourquoi faut qu'il y en ait un qui m'embête? Là, en vrai, on pourrait mettre les arbres. On pourrait mettre des arbres ici. Et si on se faisait un petit doudou? Voilà, comme ça il fait jour.
Bon, au final, je trouve pas ça si moche que ça, après tout, faut que ça plaise à moi en priorité, hein. What the... Non. Ok, Xena, à toutes, des bisous. T'inquiète, pendant que tu seras pas là, je referai ta chambre. Non, c'est une blague, je t'assure, j'y touche pas. Saphira, tu me fais peur. Non. Jamais j'oserai. Je te fais pas peur. N'aie crainte, Xena. T'aimes pas mon magnifique violet. Ah, j'en prends note. Sinon, on a encore la... Attendez, elle est où la passerelle? Elle est au niveau en dessous, normalement, qu'il faut que je la fasse. Ouais, c'est ici qu'il faut faire la passerelle. Est-ce qu'on va s'atteler à ça, quand même, maintenant? Techniquement, en termes de construction pure, c'est tout ce qui nous reste à faire. Juste cette passerelle. Je l'ai mis au mauvais endroit. Évidemment, ça me fait perdre des clous. Et j'ai plus de ferraille. Je n'ai plus de ferraille. En vrai, il ne manque plus que la passerelle. Et on a fini la construction. Et ça, c'est incroyable. C'est pas là les clous. Voyons, pas du tout. Voilà, c'est ce clou. Vous croyez qu'on en a assez? Parce que là, on fait cette passerelle et... Et on est bon! Ouais, c'est ici qu'il faut que je fasse le... On casse ça, on casse ça. Et là, on fait la passerelle. Voilà, faut faire attention de ne pas tomber, hein. Ça peut être dangereux. Si on tombe... Fini à l'eau! Attention! Passerelles doivent être réalisées par des experts. J'ai plus de bois. Soyez sages. T'inquiète, Xena, on est toujours très sage. Tout le monde, il est sage. Je vais être super sage, je vais faire ta chambre pour toi. Vu que t'es pas là, c'est pour te faire plaisir. Je suis sûre que ça te fait plaisir. On va te la faire violette, parce que j'ai l'impression que t'aimes bien. Je fais ça, je crois que Xena, elle me parle plus après. Je crois qu'elle m'en voudra. Un petit peu. Un tout petit peu. Ouais, du rose, carrément du rose. Du rose bonbon. Et j'ai faim. Et j'ai faim. Voilà! Là, j'ai vraiment très faim. Tu pourras aussi faire une chambre au-dessus de l'eau, dans l'obscurité, avec un trou dans le plancher, pour piéger Pagis ou Xena. Oh, mais il est cruel, cet homme! Mais dites donc! C'est quoi ces plans foireux?
Oh là là! Ça ne se fait pas, voyons! On n'est pas comme ça, nous! Oh là là! Ça va la mouette, t'inquiète, fais comme chez toi. Moi je travaille, toi tu dors. Normal. La petite mouette. Ouais, ça faisait un moment, fallait souffler dans la... dans le corps. Et ben voilà, cette passerelle n'est pas achevée. Mais c'est pas grave. Alors, la déco de cette chambre, ça dit quoi? Est-ce qu'on peut peindre le canapé? Ah ouais, on peut peindre le canapé. Attendez, on pourrait mettre blanc. Non, faut arrêter avec le violet. Je veux pas mettre du violet parce que j'ai déjà le... Je voudrais un blanc, voilà, un peu moins blanc. Ça, c'est très foncé. Rouge. Sinon, mais pas de... Non, faut obliger que je mette un secondaire. Pour rester sur du secondaire marron. J'arrive pas à voir la couleur naturelle du... Idéalement, il me faudrait juste que je peigne les coussins, en fait. Je voudrais juste peindre les coussins. Et re-un ours. Ça c'est trop foncé. C'est ça la couleur la plus proche du bois naturel. Ça embête de pas pouvoir garder vraiment la couleur du bois. Attendez, si on met la gomme. Ah, si on met la gomme, on peut! Et ben voilà! Voilà! Miaou, un ours! Ah, c'est pareil, comme ça on peint juste la nappe. Trop foncé. Et trop comme le mur. Ah, c'est compliqué. Oh, en blanc. La lampe, elle se peint pas. Canapé en blanc, il est pas moche aussi. Très bon goût pour la couleur du canapé. Ouais, je sais pas. Je peindrais bien le plafond aussi. Ça fait quoi du coup si on met le secondaire pareil en... Ouais, non, le secondaire là par contre ça me fait obligatoirement des... Ouais. Pas fan. Je suis pas fan, je suis pas fan. Par contre, toi, là, ça fait vraiment une grande terrasse. Hein. Eh, on voit bien le bateau d'ici. Hein. Je pense qu'il faut peindre le toit. Hein. Peut-être pas de la même couleur que les murs.
Les murs, d'ailleurs, on pourrait peut-être faire deux couleurs en vrai. Pour éviter que ça fasse trop rose, pas trop violet. Problème, c'est... Ah non, bien moi le secondaire. Ça, c'est plus foncé. J'espère que ce soit trop foncé. Il faudrait que je trouve une couleur qui va bien avec. Avec un motif. Ah, les motifs. Quoique celui-là. Ah, celui-là, il peut peut-être le faire. Attendez, sinon, on peut peut-être. C'est pas celui-là. Celui-là de violet. Trop foncé. Ça en vrai, c'est pas mal. Et coucou Nonas, comment ça va? Trop beau ton radeau. Bah, on essaye, on essaye. Un peu compliqué, mais. Ah, ça, c'est des escaliers. Oui, je pense que ça peut être pas mal comme ça, mais peut-être pas entièrement comme ça. Peut-être juste, pourquoi pas juste ce mur. Avec peut-être les coins quand même. Comme ça. J'ai l'impression que ça fait foncer, hein. Ouais, on refera un tour du radeau, vous inquiétez pas. J'ai l'impression que ça fait un peu trop foncé, ça. Ouais, ça rend plus sombre, hein. Sinon, au pire, je reprends le même violet. Je suis en train de crever de soif. Mais ça fera moins violet, vu qu'il y a les motifs. Peut-être pas le faire sur tout le mur, tout le mur. Juste une partie. Mais je pense qu'il faudrait vraiment peindre le... En blanc, moi, ça me paraît pas mal, hein. Peindre le plafond en blanc. Il n'y a plus de blanc. Voilà. On est d'accord que ça peint que d'un côté, hein. L'autre. Ouais, c'est bon. On est bon. Par contre, j'ai plus de blanc. Vanille fraise. Il n'y a plus de blanc! Ça va. Non, non, j'ai eu peur. J'ai couché. Je l'ai pas peint, hein. Non. C'est juste parce que j'ai le pinceau à la main. C'est bon, tout va bien. Même les ruches, on peut les peindre. En fait, on peut peindre tellement de choses. On va refaire plus de blanc parce que si je fais tout le plafond en blanc, va falloir beaucoup de blanc. Et j'ai faim encore, mais c'est terrible. J'ai rien fait cuire en plus. On va faire cuire des patates. Mangeons des patates. Je vais se cuire un petit peu, sinon il n'y aura plus rien. Le travail, ça creuse. Ah ouais. Pas assez de lumière. Ouais, c'est possible aussi. Après, il fait nuit, hein, forcément. Où est-ce qu'on peut finir notre passerelle quand même? Il faut quand même la finir. Hein. Pendant que les patates, ça cuit.
Terminons donc cette jolie petite passerelle. Oh, c'est beau. Non! Une mouette à la mer! Je voulais la manger! Je voulais manger la mouette, moi! Adieu, mouette. Après, en vrai, ce qui me manque aussi, c'est des plantes. Hein. Il me faut des plantes vertes, un peu. La déco, c'est pas trop ça, encore. Je vais en prendre une comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Et je peux en crafter aussi. Hein. Peut-être faire un petit placard comme ça, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, on peut faire aussi des fleurs dans ce style-là. Attendez, il me manque quoi pour ça? Il me manque juste de l'argile. Parce que ça, les fleurs, ça fait beaucoup hein, sur la déco. On va pas se mentir. Ça change tout. La mouette est le nouveau doudou Bruce. Ouais, bah je le nourris, hein, Bruce. Faut bien. Regardez, juste ici, là, à côté du bureau, on peut se mettre une petite plante. Comme ça, vous voyez, ça change tout de suite la donne. Ça, c'est gros, ce truc-là, en fait. Mais pareil, on peut se mettre ça juste ici, ça change tout de suite la donne. Ça, on peut le mettre nulle part parce que je crois que ça s'accroche au plafond. Et du coup, le plafond, il n'est pas pris en compte. C'est dommage. Après, là, on a une petite plante. Voilà, on peut venir la mettre. Comme ça. Ah, vous voyez, ça change tout un peu de verdure. Ouais, les tapis. Bon, attendez, on peut se faire un petit livre là comme ça. On le met sur la table. Juste comme ça sur la table basse. Tapis. Oula. On peut mettre un tapis sur la table. C'est peut-être un peu bizarre. On peut le peindre en plus au tapis. Hein. Celui-là, on peut pas le peindre, mais celui-là, on peut le peindre. Sinon, en tapis, on a celui-là aussi. Je pense que c'est le même, mais en plus petit. Ouais, c'est un tout petit tapis, ça. Petit tapis qu'on peut mettre juste ici. Qu'on peut peindre. En rose. On va les peindre en rose, les tapis. Vous croyez que ce serait bien le sol en blanc? Ouf, ouf. Ah ouais, ça part tellement vite la peinture. Pour le toit. Je sais pas, vous en pensez quoi du toit blanc?
Mais. Mais non, voyons! Je fais pas des choses comme ça, moi! Bon, par contre, ouais, la peinture, hop, il n'y a plus de blanc. En vrai, moi, je commence à apprécier tout ça. Du coup, celle-là de plante, on a dit, elle ne sert à rien. Sinon, en plante, qu'est-ce qu'on peut crafter d'autre? Cactus, tournesol, tournesol. Ou alors des roses. J'ai plus d'eau sur moi, il me faut de l'eau. Ah, oh, j'ai plus de place aussi sur moi. Alors, petit moment santé. On va boire. Ouais, c'est pas mon journal, hein. Non, non. Rien fait de tout ça, moi. Ok, à plus, un ours. De bisous. Et arrête de raconter n'importe quoi aussi. Attention. Il arrêtera pas pour autant. On le connaît maintenant. Allez, on mange des patates. Des patates. Tu bois une petite patate. En tout cas, c'est discret, hein. Personne qui voit mon bordel. Ça, c'est plutôt cool. Ne pouvoir peindre qu'un seul côté parce que les deux côtés, ça aurait été bizarre. Faudrait peut-être mettre des tableaux aussi. C'est pas remis en marche, y a plus de batterie encore. Oh là là, mais y a jamais de batterie sur ce truc. Ouais, j'ai plus besoin de bois, donc j'ai pas besoin des cubes pour échanger contre du bois. En revanche, pour l'échanger contre du titane. Ça, on n'est pas contre. Hein. Tu vas où toi, le petit tonneau? Allez, c'est parti. Du coup, est-ce qu'on a du blanc? Est-ce qu'on a du blanc? Ouais, on a à nouveau du blanc. Et on va lancer le craft de blanc. Il nous faut plus de blanc. Bah pas moi ça, voyons. Hop, on monte là-dessus. Et le dernier. Voilà. Ah bah, on fait des allers-retours, mais on est obligé, hein. Ça fait très clair quand même. Placard, ouais, c'est ça que je voulais mettre, un petit placard comme ça. Genre, est-ce qu'on pourrait le mettre? Oh, mais tout petit, tout mignon. Juste là à côté du lit, par exemple. Faut des tableaux. Des tableaux, c'est bien. Ouais, ça c'est carrément bien. Oh,
Regardez, c'est un monsieur qui pêche! C'est Bruce! Bruce! Sinon, on peut mettre aussi des petites étagères comme ça. Hein. Il nous faut plus de clous. Petite étagère, là, comme ça. Juste au-dessus de la fenêtre. Regardez, on y met une petite bougie. Ça fait tout mignon. Ça fait tout mignon. Oh, on a des citations inspirées. Presque trop parfait. Ok, mais on sait pas ce que ça dit. On sait pas ce que ça dit. Meilleur plan de Bruce. J'avoue, hein. Celui qui a peint ça, il était inspiré. Très inspiré. Ou alors, il l'a peint en direct. Au choix. Les deux me paraissent possibles. Voyons ça, là, les citations inspirées. Ouais. Ouh, celui-là, on va le mettre là. Je suis nulle en anglais, désolée. Ah ouais, des fleurs. On peut mettre des tournesols. Eh, ça vous dit pas, on met des tournesols. Oublie pas de t'hydrater. Tout à fait, hydratons-nous tous. Moment hydratation. Tout le monde y boit. Voilà. Même dans le jeu, on s'hydrate. Allez, hop, on s'hydrate. C'est important de s'hydrater. Hop, on souffle dans la corne. Parce que c'est bien aussi. Mais l'anglais, mais quelle idée d'avoir fait l'anglais. Ok, il me faut de l'argile et des fleurs jaunes. Pour faire... Il m'en faut combien? Il m'en faut 4. 4 petites fleurs jaunes. Une. Deux. 3 et 4, les blanches, on va les reposer. Et ça, on va le reposer aussi. Du coup, en termes de plantes, oh, on va prendre celui-là. Et peut-être pas celui-là. On va prendre ça. Et on va en prendre un comme ça. Et ce qu'il me fallait, c'était aussi de l'argile. Hop, pour faire des tournesols. Des tournesols. Attendez, on n'a pas fini ça. Voilà, cette passerelle est terminée. Et ça, c'est beau. Parce que du coup, en fait, je retirerai bien ce tapis. Et à la place, on met celui-là. Peut-être pas dans ce sens-là. Voilà. Comme ça. Par contre, ici, on met celui-là. Voilà. Il n'y a plus la peinture dessus, mais c'est pas grave. La petite tasse, on la prend, on la met juste ici. Avec au milieu la petite fleur. J'en avais pas pris une autre. Si, j'ai le tournesol. Le tournesol.
tournesol. Ben, le tournesol, on le met là. L'enchorné, je sais pas c'est quoi. Ok. Ouais, le milieu, je trouve que c'est un petit peu vide aussi. Attendez, est-ce qu'on peut faire genre tac? Que ça peut servir d'étagère? Attendez, j'ai un truc à poser dessus. Genre. Non, ça peut pas faire office d'étagère. Ça donne un peu de style. Après le milieu, je sais pas trop ce qu'on pourrait y mettre au milieu. On va mettre une table. Le piano de Pagis. Tu peux pas mettre le tournesol en l'air car un tournesol doit être au sol. Parole d'un sage homme. Ok. Genre, on pourrait mettre une table comme ça. Il faut de l'argile. Peut se mettre une table. Par contre, je suis en train de tuer les stocks d'argile, je crois. Avec des chaises. Une table avec des chaises, ça me paraît être une bonne idée. Combler le trou. Prends ça. Deux. Au moins trois. Au moins trois. Hey, coucou Valentina, comment ça va? Bienvenue à toi. Regardez, on se met la table. Il est toute petite. C'est quoi cette table miniature? On peut pas mettre des chaises autour de cette table? Et merci pour ton follow. Cette table est beaucoup trop petite. Rip la table. En fait, c'est une table basse. Moi, je voulais une vraie table pour mettre avec des chaises. C'est une table basse. Oh non. Ça ne va pas. Ok, du coup, on va faire une table. Ah non, la table, elle est partie. Reviens à la table.